Bonjour à vous les internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons déjà par deux fois abordé le calcul en binaire et vu à quel point cette base permettait de grandement simplifier l'arithmétique. Je vous conseille vivement d'aller voir les deux vidéos abordant pour la première l'addition et la multiplication et pour la deuxième la soustraction en binaire dont vous trouverez les liens en description. Si vous continuez à regarder cette vidéo, je vais donc considérer que vous maîtrisez les trois premières opérations en binaire et que vous ne savez pas encore effectuer une division. Pour la division, vous avez dû, tout comme moi lorsque vous étiez enfant, apprendre l'utilisation de la potence pour effectuer cette dernière. Oui, au cas où vous ne le saviez pas, ce petit dessin que l'on trace pour effectuer une division s'appelle une potence, puisqu'elle ressemble à la potence utilisée dans les pondaisons ou dans les jeux du pendu. Nous pourrions sans trop de problèmes effectuer une division en binaire, puisqu'elle repose sur le même principe que celui de la division en décimale. Mais pourquoi réinventer la roue alors que nous pourrions simplement recycler ce qui a déjà été créé? Si vous avez compris que la multiplication n'est qu'une addition répétitive, cela ne vous choquera pas si j'affirme que la division est l'équivalent d'une soustraction répétitive. Pour le vérifier, nous pouvons en décimale effectuer par exemple la division de 16 par 5. De façon classique, nous trouvons que 5 fois 3 est égal à 15 et qu'il nous reste donc 1. Si maintenant nous utilisons la soustraction, nous savons que 16 moins 5 donne 11, 11 moins 5 6, 6 moins 5 donne 1, et nous stoppons alors notre calcul puisque 1 est plus petit que 5. Nous avons donc pu faire 3 soustractions et le reste de notre division est donc 1. Nous avons donc le même résultat par deux opérations différentes. Si l'on peut s'interroger néanmoins sur le temps que prendraient de telles soustractions répétées, si par exemple nous demandions à l'ordinateur de diviser 100 000 par 2, on pourrait penser que la réalisation de ce calcul serait très long. Or, c'est oublier que l'ordinateur est une machine extrêmement rapide, capable d'effectuer plusieurs milliers d'opérations par seconde pour les moins puissants, et plusieurs centaines de millions de milliards d'opérations par seconde pour les plus puissants. Effectuer toutes les opérations ne lui prendrait qu'un temps infime, qui lui permet de calculer le résultat plus rapidement que votre écran ne peut l'afficher. Il est donc tout à fait envisageable de faire réaliser ainsi cette tâche à l'ordinateur sans avoir d'attente trop longue. Nous avons, grâce au complément, un ordinateur qui est parfaitement capable de réaliser des soustractions. Nous pouvons donc recycler le circuit réalisant les soustractions pour lui faire calculer des divisions. Il est cependant nécessaire de lui ajouter quelques petites choses pour transformer notre circuit de soustraction en circuit de division. La toute première des choses est un compteur qui permet de savoir combien de fois nous avons effectué notre soustraction. C'est juste une valeur qui commence à 0 en mémoire et que l'on va incrémenter en ajoutant un à chaque fois que l'on effectue une soustraction. Reprenons donc l'exemple de notre division de 16 par 5, mais cette fois-ci en binaire. Nous allons représenter nos nombres binaires à chaque fois composés de 8 chiffres. Ainsi, 16 va s'écrire 10 000, tandis que 5 va s'écrire lui 101. Nous commençons donc par effectuer notre soustraction que l'on transforme en addition par le complément. Avec le dépassement de mémoire, nous pouvons donc ignorer le 1 situé tout à gauche, ce qui nous laisse comme résultat 1111, qui est l'écriture binaire du nombre 11. Jusqu'ici, tout va bien. Il faut donc à ce moment incrémenter notre compteur de soustraction, qui passe donc de 0 à 1, afin de garder en mémoire le fait que nous avons effectué une soustraction. Puis, nous allons reprendre le résultat que nous venons d'obtenir et l'utiliser une nouvelle fois pour effectuer une soustraction. En clair, le circuit va se renvoyer à lui-même le résultat de son calcul pour continuer le processus. Notre deuxième calcul va donc pouvoir s'effectuer et nous donner un nouveau résultat. Là encore, dépassement de mémoire, ce qui nous laisse avec 110, qui est l'écriture binaire du nombre 6. C'est parfait, on continue en incrémentant de 1 notre compteur des soustractions, qui passe ainsi de 1 à 10, et oui car c'est la représentation du nombre 2 en binaire, puis on reprend le résultat obtenu qui repart dans notre circuit. Lors de cette troisième soustraction, comme d'habitude on a un dépassement de mémoire, et il ne nous reste plus que 1, qui est l'écriture binaire de 1. On n'oublie pas bien sûr d'incrémenter notre compteur de division, qui passe ainsi à 11, qui équivaut à 3. Humainement, nous savons que c'est là qu'il faut s'arrêter, mais l'ordinateur, lui, ne le sait pas. Regardons ce qu'il se passerait dans le cas où il continuerait à faire des soustractions. L'ordinateur reprend donc son résultat du calcul précédent, se le renvoie à lui-même pour effectuer le calcul suivant. Nous obtenons donc cette fois-ci le nombre 11 111 100. Pour la première fois, nous n'avons pas de dépassement de mémoire et obtenons un résultat dont le premier bit est un 1. Cela signifie donc que nous avons affaire à un nombre négatif qui s'avère être la représentation en binaire du nombre moins 4. Nous rencontrons donc pour la première fois un nombre négatif et nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Il s'agit en fait d'une façon simple de définir une condition permettant à l'ordinateur de mettre fin aux divisions. Pour cela, l'ordinateur doit donc suivre une instruction simple, celle d'effectuer les calculs tant que le résultat obtenu est positif, chose que l'on peut aisément vérifier en observant si le bit de signe est égal à 0 ou à 1.
Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la division en binaire peut, encore une fois, être effectuée par le même circuit électrique que celui utilisé pour l'addition. En ajoutant un compteur qui permet d'enregistrer le nombre de fois que l'on effectue une opération, ici notre addition du complément qui revient à une soustraction, et en jouant sur les dépassements de mémoire, ainsi que sur le fait que l'ordinateur peut calculer plusieurs milliards d'opérations par seconde, il est alors simple de transformer une division en une série de soustractions successives. Cela s'appelle même la division par la soustraction. Nous savons alors que le quotient de notre division nous est donné par notre compteur et que le reste de la division est égal au dernier résultat positif obtenu lors de nos calculs. Ainsi, avec un seul circuit dédié en tout premier lieu à l'addition, nous sommes en mesure, moyennant quelques ajouts relativement simples, de lui faire effectuer également une multiplication, une soustraction ou une division euclidienne. Tout ça en n'ayant eu à réellement travailler que sur un seul et unique circuit, celui de l'addition. Nous avons donc tout le nécessaire pour faire théoriquement calculer un ordinateur. Il ne nous restera plus qu'à expliquer comment faire réaliser tout cela par un circuit électrique, mais ça, ce sera pour une prochaine série de vidéos. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la division euclidienne en binaire. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.